Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 20. La partie 20 de Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriot. Que j'enregistre à la suite de la partie 19. Hein. Sinon, ça aurait fait trop longue vidéo. Donc là, on est vraiment à la fin. Hein. Donc là, on a encore un ou deux couloirs à passer, je crois. Et après. On a la zone de Micron, là, comme ils disent. Et après, ça sera. On va avoir droit à des cinématiques. Et puis, on aura droit au combat final. Et puis, encore des cinématiques. Donc, voilà, c'est parti. Ah, ben ouais, d'accord. Oh, on commence direct par une cinématique. Thank you.
Raiden nous couvre, hein. Enfin, les empêche de passer en tout cas. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est avancer. Donc faut éviter les trucs sur le côté, mais de toute façon, même en les évitant, vous allez voir que... Voilà, pour éviter. Donc même en les évitant, on se prend des décharges à certains moments, c'est scripté, c'est comme ça. On avance et voilà quoi. Ah ouais, et là faut commencer à appuyer sur triangle. Et pour le moment ça va encore. Allez, avant, enfin... Donc quand je vous dis que ce passage est scripté, regardez simplement la vue de Snake. Je commence à avoir mal aux doigts pour ça. Et je peux pas appuyer plus vite que ça moi. Passage casse-couille, mais bon. Ah, par contre, aïe aïe aïe. Donc là, c'est cinématique. Et on monte à 15 minutes. Ah!
like a graveyard in here. Oh, God. Can you do it? Leave it to me. Et ouais, les emmerdeurs sont là. Et ouais, chacun se tourne de plus avoir le monde en machine pour aider. Thank you.
GW. Is it removing the other clones? No. Wait. I don't believe this. Naomi. Otaka, what is it? JD is being erased. The virus you uploaded is using GW as a conduit to annihilate the entire AI network. It's set to destroy all four AIs, along with JD, the core that tied them all together. I've set this video to play back once they're all gone. Sons of the Patriots was only the beginning. The Patriots were planning to use nanomachines to implement the system over the entire population. I had an obligation to stop it. With a little help from Sunny. She helped me. She believed her talents could help you all put GW to rest. What she created was an anti-AI fox die. But this virus's name is Fox Alive. It's the conceptual opposite of the nanomachines that I created all those years ago. You wish to free the captured foxes. To let them run free in the wild. I wanted to apologize to you before, but I never got the chance. Yet, in the end, you helped me feel the joy of living. The time has come.
You've earned your rest. The rose petal is about to fall. Snake? Bon, on va faire un tour de carte. Ouais. On a combien? 23 minutes. Oh, bah ça va, on peut encore continuer alors. Comme s'il allait bouger dans son état. From the system, free from ID control. Our minds free from their prisons. That is the haven I've yearned for. Ouais, le combat final contre les kids qui se déroule en plusieurs étapes. Chut.
c'est le combat qui me pose problème dans les difficultés supérieures, enfin déjà dans ces difficultés-ci. Ah, il fatigue. Mort de rire. Là là. Ah voilà, maintenant que la vie est apparue, ça veut dire que c'est à moi de jouer. Ou à moi de me fêler. Parce qu'on a peut-être autant de vie, mais il fait beaucoup plus mal que ce que moi je lui fais comme dégâts. Bon. On n'a plus qu'à réapprendre. Alors des esquives, je crois que c'est ça. J'espère que je ne me plante pas. Quand tu veux, mais... Allez. Et bam, prends ça dans le gueule. Allez, oui, c'est cela.
Ah, j'avais cru. En plus, avec ma manette qui déconne, c'est pas évident. Bon, vu le peu de vie que je lui enlève, j'ai intérêt à faire gaffe au coup, je me prends. Oui, ben, et tu me laisses deux secondes. Oui. Faut vraiment que j'arrive à esquiver parce que sinon ça va être la merde. Oh, non, putain, laisse-moi esquive quoi, putain, connard. Changement. Maintenant, on a droit à Ocelot. Oui, d'accord. Lui arrive à me toucher. Waouh, wesh. Bah allez, putain, j'appuie quoi, merde. Bon, tu tapes, oui. Bon allez, quoi, voilà ce qui me fait chier avec ce combat de merde. Faut réussir vraiment à l'esquiver pile poil au bon moment, sinon on l'a dans le cul quoi. Regardez la vie qui nous enlève en un seul coup. Hé ! Non, 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 non. Mais lâche, lâche. Merci. Oh, allez, mais allez, putain, c'est moi qui appuie et c'est toi qui... Mais tu vas me lâcher, oui, au nom de Dieu. Allez quoi, putain, une contre à chaque fois, c'est pas incroyable, allez. C'est pas chier quoi. Ça, ça doit faire mal quand même. Enfin, au mal, toi.
Malé. Non, 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 non. On est dans quel sens? Changement. Maintenant c'est quoi? Hold, qui est donc Metal Gear Solid 4. Voilà. It's not over yet. Mais le temps que tu te craches du sang après autant de coups. Allez, un petit dernier pour les terminer. Voilà, il est terminé. On a combien? Alors, 39 minutes, et vu le temps des cinématiques qu'on va avoir, parce qu'on va en avoir 3 ou 4, parce que c'est la fin du jeu, mais là, c'était la dernière phase de gameplay. Je crois que je vais mettre en pause et stopper la vidéo comme ça. Donc, la suite dans le prochain épisode. Ça va être comme ça parce que sinon on va dépasser largement les 1 heure connaissant le jeu. Ça m'étonnerait pas. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Au revoir tout le monde.